Hello, hello, hello. Et pour les deux, trois qui suivent, alors, rajoutez que tant que je pourrai pas faire de short, je vais balancer ce que je veux, me lâcher. Comme moi, je m'amuse. Je suis une perfectionniste, donc c'était génial d'avoir le logiciel de montage et de le découvrir pas à pas comme la vieille schnob que je suis, mais à un moment donné, j'avais plus la force, plus le courage. C'est pour ça que j'ai plein de vidéos dans les placards. C'est que je veux tellement envoyer du propre, du qui puisse s'intéresser, qu'il faut du temps pour faire tout ça. Alors, tant que je n'aurai plus l'accès aux shorts, qui même pour une minute demande beaucoup de temps, hein, les poissons à la mousson, normalement pareil, de la vidéo, je peux en faire aussi une longue. Mais pour faire un short sympa, c'est 20 minutes, hein, qui sont restent là en mémoire. Est-ce que j'arrive à faire un long ou pas? Donc, ma mémoire a beau être saturée, je vais faire ce petit aparté là pour dire gros respect pour les gens qui gagnent leur vie à filmer des animaux, des heures, la précision. Bon, je l'ai déjà abordé des fois en rigolant, mais alors que le plus simple, c'est de parler face à un truc posé et faire blablabli blou blou. Bon, moi je suis un peu vieille, je vais pas vous faire du make-up. Je suis no make-up en général. Il arrive même que je sois sans même un peu d'eau sur la gueule quand je pars le matin très tôt. Et l'autre variante, du coup je l'avais pas prémédité, mais il est prévu mauvais temps demain. Je suis sortie et de toute façon, tant qu'à faire des courses. Je sens que la loupiote, là, quand je suis fou en général, c'est que la loupiote n'est pas très propre. Je reviens. C'est ça, on apprend. C'est pour ça que pendant un an, j'ai posté des vidéos intensément, parce qu'on apprend à chaque pas. J'ai déjà eu des vidéos floutées à cause de ça. Juste, j'en étais à dire, et alors le plus simple étant, puisque je suis sortie, qu'il fait beau, que j'ai fait trois courses et que je me suis posée à mon petit jardin secret, à ma petite souche, où je vais moins souvent, mais là, si j'en profite pas au printemps, c'est pas en été, je cuirai à cet endroit-là. Et ben, le plus simple est de vous filmer, miam miam, hein. Alors je vais pas la faire long, j'ai toujours pas beaucoup de mémoire, c'était juste... Puisque je m'autorise à me lâcher, au lieu qu'il y ait plein de shorts, ben, il y aura plein de longs. Je peux toujours les jeter ou vous paierez le péage. Si elle monte à 100, mais bon, c'est assez rare pour mes vidéos. Bref, cette partie-là, j'ai pas envie de l'aborder. Simplement, au menu, c'est sushi, fromage, cornichon et avec, j'ai une bière. Allez, je fais pas pause. Je vois qu'on ne vous voit pas, donc imperfection, mais se lâcher. Parce que quand même, ce qui m'a beaucoup, beaucoup choqué, moi, sur les vidéos, c'est les youtubeurs qui gagnent plein de pognon, qui sont là depuis des années, et sous prétexte qu'ils filment leur vie, oh ben, ils sont pas supposés, dès qu'ils bougent, faire une prise un peu propre. Moi, qu'est-ce que je m'embête, rien que pour essayer de vous stabiliser tout ça et vous épargner mes tremblements. Alors ben, là, je suis même pas sûre là, je vais faire pause et... C'était pour faire du vrai du vécu. Là même, c'était pour faire du vrai du vécu et je suis à mon jardin secret. Ce petit mur qui me cache. Hein. Ce petit rideau, hein. C'était un grand comme un mouchoir de poche. Hein. À l'endroit où je suis, que j'ai fabriqué, qui n'existe pas, je peux m'allonger. J'y ai dormi l'été dernier. Mais voilà, qui a une forme sarcophage. Hein. Et qui est possible parce que je suis pas bien grande. Et je continue à déblayer quand même un peu. Je suis en train de déblayer cette zone-là. Parce que c'est là que je serai le plus cachée. Même si en réalité, à deux pas, là, il y a du monde. Mais je dois juste me taire. Hein. Le tronc de l'olivier. Normalement, je l'ai quand même dégagé cet hiver. Et d'ailleurs, je n'ai plus de sécateur. J'espérais sur le printemps pour qu'on trouve des sécateurs dans les supermarchés, mais en faisant mes courses, j'ai regardé et j'ai réalisé qu'ils sont déjà passés en mode plage. Ça va vite. Il faut dire qu'on est en mai, que déjà on a chaud. L'année dernière, fin mai, on avait marre de la chaleur. Là, je pense que ce sera mi-mai. Alors, voyons voir. Je voulais vous épargner mon sac. Vous l'avez eu quelques secondes. Je vais donc tenter
Je grimpe sur les pierres que j'ai mis et je vous montre la petite terrasse que j'ai fabriquée qui n'existait pas ici. Ici, c'était de la terre et des ronces. Et maintenant, dans ce petit emplacement, même si je dois le retravailler, je peux me coucher. Et toujours les pompiers, je pense que vous les avez eus. Hein. On est toujours au même endroit. Quand je migrerai, ça se verra. Allez, rupture de jeûne, il va y avoir. Rupture de jeûne. L'année dernière, j'en ai fait quelques-uns de mukbang parce que je voulais essayer, parce que pour moi, c'était tellement pas naturel. Mais voilà, j'avais découvert les mukbangers, voire j'ai suivi quelques américaines. Et c'est le fait de suivre ces américaines, d'essayer de comprendre certaines choses un peu absurdes qui m'a donné envie de faire des vidéos. Je le répète, hein, mais parce que je me suis dit, je peux pas faire pire. Voilà, c'est. Alors, c'est rigolo d'en faire au départ. Le premier était difficile, hein, parce que j'étais timide. Je débutais et dans les mukbangs et dans les vidéos. Après, j'avais décidé que j'en ferais un tous les mois. Et puis, ça tombait très vite dans l'été. Bon, déjà que je suis menue parce que j'ai pas un gros appétit, en été, trois bouchées, je suis calée, moi. Du coup, autant là, je suis obligée de faire une vidéo courte à cause de la mémoire. Si elle part vite et elle part à la poubelle. L'intérêt, c'est qu'elle part à la poubelle. Alors que les oiseaux, les animaux, avec le mal qu'il m'a fallu pour les attraper, le temps qu'il me faudrait pour vous faire un truc propre pour les envoyer, bah, si je peux pas, il faut bien que je les garde en mémoire, sinon... Voilà. Donc, c'est le fait de manger trois bouchées qui m'a fait arrêter de faire des mukbangs. Parce que bon, voilà, trois bouchées. Déjà, je pense pas que les gens qui regardent des mukbangs, c'est pas vraiment ce qu'ils veulent. Et après, on peut innover. Hein, pourquoi pas mukbang et fluette et menu. Mais c'est l'autre. Hein. Et pas beaucoup. Oh, je l'avais le mot pour avoir voulu rajouter que moi aussi j'étais rikiki. Comme ça, comme bien, tout comme bien. Mais j'avais arrêté, mais là, voilà, hein, voilà. Au lieu de... Puisque j'ai pas les moyens d'aller filmer des animaux, de faire de longues prises sur des animaux, pour même pas pouvoir travailler, pour vous envoyer la substantifique moi, alors une petite historiette d'une minute, ben, si vous devez vous manger des mukbangs, vous mangerez des mukbangs, hein. Et puis, si vous ne voulez pas les manger, bah, vous savez que vous pouvez zapper. Donc, va bene. Mais j'espère que ça ne va pas durer, hein, cette histoire. Hein. Je viens d'envoyer les sangliers. Hein. C'est facile, et encore, ça aurait pas été si facile que ça de faire une minute avec les sangliers. Parce que c'est pareil. Si j'ai de la qualité, il y a l'embarras du choix, ok, mais... Ça peut être très compliqué ou très simple de faire une minute à partir de 20 minutes. Ça dépend ce qu'on a en main. Maintenant, je commence à savoir monter, je sais raconter une histoire. À la fac, j'ai appris à faire une dissertation, ça aide. Enfin, bref. Je suis une plasticienne. Bon. Mais les sangliers, j'ai quoi? J'ai 2-3 minutes. Hein. J'avais envisagé de le faire avec le coléoptère. Parce que voilà, les courts, les longs, quelle longueur, qu'est-ce qu'ils racontent d'intéressant.
C'est compliqué, c'est tout un art, c'est deux trucs complètement différents. Mais les sangliers, pour revenir à... C'est pas forcément simple. Les sangliers, j'ai peut-être pas 3 minutes en tout. Du coup, bah, ça peut être difficile d'avoir à couper parce que voilà, là, 3 minutes, elles sont précieuses. Hein. Ça fait un an que je voulais filmer ces sangliers. Du coup, même si l'image était imparfaite, qu'est-ce qu'on coupe, qu'est-ce qu'on enlève? Ben là, ça peut être difficile. Ça veut dire à enlever, mais... Faut que je fasse attention. Si je me laisse aller jusqu'au bout, ma mémoire est capoute, mon téléphone ne veut plus fonctionner. Selon mon état d'esprit, ça ne sera pas simple de le refaire à marcher. Je me connais, j'ai une certaine maladie. Hein. Très handicapante, mais voilà, pareil. Là, le thème du jour, c'est YouTube ne veut toujours pas que je fasse des shorts. Il trouve que j'en fais trop. Ça y est, t'as bouffé ton quota, je pense. Bon, je sais pas, sérieux. Je n'ai pas de couteau. Alors on va le faire à l'arrache. C'est du lard de mort. J'ai fait des courses à 1 heure où je ne les fais pas d'habitude. En général, je me débrouille pour aller faire les courses après la cohue de midi, quand les gens sont rentrés chez eux manger. Donc là. Il y avait foule et certaines personnes qui suivent mes vidéos doivent s'en douter. Je suis pas fan de la foule. Pour le dire sobrement. Bon, je vous impose pas beaucoup plus de blabla. Je vais me taire comme ça éventuellement les oiseaux cuit 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 et puis. Au prochain épisode. De jolis films. M'attaque. C'était un bourdon. Je sais pas si vous l'avez vu 3 secondes. Et le wasabi m'a. Wasabi et le cornichon, ça fait beaucoup ensemble. Évitez de mélanger wasabi et cornichon. Parce que le cornichon, c'est juteux, il y a beaucoup d'eau.
Du coup, sur le wasabi, ça fait comme un jet qui fait chpon. Non, ça se marierait bien. Rajouter que pour envoyer cette vidéo qui pourra partir à la poubelle dès qu'elle sera sur YouTube, je suis obligée de vider mes mémoires, de jeter des vidéos auxquelles je tiens. Mais comme il me faut avancer et que je suis têtue, tentons.